L'Europe est composée d'États-nations, mais inclut également des nations qui n'ont pas leur État et dont les forces politiques aspirent à l'indépendance. L'Écosse a rejeté l'indépendance en septembre 2014 à 55%, mais un nouveau référendum d'autodétermination pourrait y être organisé après les négociations sur le Brexit. En octobre 2017, l'Espagne est plongée dans une crise politique majeure. La Catalogne, région la plus riche du pays, a proclamé son indépendance, puis l'a suspendue immédiatement en vue de négociations avec Madrid, qui a jugé illégal le référendum d'autodétermination organisé par Barcelone. En Italie, la Ligue du Nord, fondée en 1991, milite pour l'indépendance de la Padanie, région autour du Pô, constituée principalement de la Lombardie et de la Vénétie, prospères et industriels. La Corse est la seule collectivité en France à disposer d'un statut particulier. Malgré cette autonomie, des partis nationalistes arrivés en tête des élections régionales, en décembre 2015, aspirent à l'indépendance totale. Dans le Pacifique Sud, l'archipel français de la Nouvelle-Calédonie doit organiser au plus tard, en novembre 2018, un référendum d'autodétermination. En Belgique, les indépendantistes flamands estiment que leur région riche, la Flandre, subventionne la Wallonie francophone. Ils demandent le remplacement de l'État fédéral belge par une confédération, un premier pas vers une indépendance. La découverte de gisements de pétrole et de gaz a renforcé les aspirations indépendantistes des îles Féroé. Ce territoire de 18 îles bénéficie d'un statut d'autonomie interne par rapport au Danemark. L'archipel doit organiser un référendum sur une nouvelle constitution en avril 2018. Jusqu'à maintenant, aucun territoire de l'Union européenne n'a effectivement déclaré son indépendance.